Salut tout le monde, c'est Camille Scooters. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va mettre des bonbons arc-en-ciel sur ma trottinette. Donc on va les mettre sur le grip et on va se servir de grip. On va essayer de rouler avec. Donc juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à t'abonner, ça ferait super plaisir. Et n'hésite pas à mettre dans les commentaires une idée de prochaine vidéo dans le même style. Donc nous là, on va monter la trottinette. Donc on se retrouve à l'atelier. Ok les gars, du coup, on vient d'arriver à l'atelier. Donc du coup, on va essayer de monter le grip arc-en-ciel sur la trottinette qui est juste ici. Donc je précise bien que la nourriture qu'on va utiliser, elle a été périmée et en fait, ça m'a magasin qui nous l'a passé parce que c'était périmé. Ok, alors du coup on aura besoin de 4 bonbons d'Haribo arc-en-ciel et on a pris aussi une colle en fait pour pouvoir permettre de coller sur le grip et que le bonbon en fait reste dessus. Donc maintenant on va vous filmer quelques plans en fait où je suis en train de le monter et on se retrouve direct quand c'est fini. Ok, donc là on vient de finir de coller les bonbons sur le deck. Donc ce qu'on va faire, c'est on va attendre que la colle en fait sèche bien et on va se retrouver peut-être demain au skatepark. Ok les gars, du coup on vient de finir la trottinette. Donc vous inquiétez pas, on l'a testé avant quand même pour voir que le grip ne s'en aille pas. Donc elle est juste là. Donc on va se tester ça maintenant. Donc on va en faire sur le skatepark, on va commencer mollo et après on va voir si un backflip ou un flare c'est possible. Donc c'est parti. Ok, donc là je vais commencer tranquille quand même. Donc je pense que je vais commencer par un simple wheel flat pour voir vraiment si ça tient bien quoi. Pour l'instant, je vous dis, ça bouge pas. Il y a moyen de faire des grosses dingueries. Essaye de voir faire un truc sur la pyra. Vas-y, sur la pyra, je te l'ai là. Ouais. Vas-y, on va faire quelques tricks. Mais Camille, essaye de monter le niveau en combo, voir. Genre quoi, comme tricks? Essaye quelque chose, genre comme un bree whip ou un butter cup. Quad whip aussi, non? Ouais, quad whip, ça peut être. Allez, bien aussi. Je pense qu'on va essayer sur la courbe, t'en penses quoi toi? Ouais, ça pourrait être bien de la courbe. Vas-y, juste voir ce que ça donne. Donc peut-être les gars, là on va essayer un flair. Donc on va voir ce qui est possible. Donc c'est parti sur la courbe. Donc pour l'instant les gars, ça tient bien. Bon, il y a des belles traces noires quand même. Mais bon, c'est pas grave, mais ça tient. En vrai, ça grippe bien. Bon, je vous conseille pas de le faire, mais bon, pour l'instant ça grippe bien. Ça. Bon les gars, je pense que c'est l'heure du flair. Hein. On va essayer. Hein. Vas-y flair. Hein. Vas-y flair. Allez flair. Ok, du coup les gars, il y a Val qui veut essayer. Donc il va nous donner son ressenti pour voir sur la trotte avec les bonbons en arc-en-ciel. Vas-y, tu commences par quoi? Moi je te dis, en vrai, fais genre un double whip sur la car. Yo! Bon, du coup, t'en as pensé quoi, Val? Ah, c'est plutôt sympa à rouler, mais ça colle un peu au pied après. Ça colle au pied? Ouais, moi aussi j'ai trouvé ça pareil un peu. C'est un peu collant. Ouais, mais après c'est sympa. Franchement, moi je pensais pas c'était roulable. Donc en vrai, c'est cool. Vas-y, ben moi ce que je vais faire, c'est je vais partir sur la box comme toi. Et on va essayer de faire des gros tricks avec un. Hein, peut-être un backflip, les gars. Peut-être un backflip. Ok, donc les gars, je vais commencer par juste du flyout. Et après, on va voir si en transfert c'est possible. Donc, mais après, les gars, je vous jure, je vais faire un backflip. Donc on va voir ce que ça donne. Ok les gars, on va passer en transfert hein. Donc je pense que je vais commencer par un kick. Voilà, bon, ça commence à être dangereux hein, parce que le grip il s'en va hein. Mais bon, c'est pour la science. Ok les gars, bah, je pense que c'est l'heure hein. Donc je pense qu'on va faire le backflip maintenant. Je pense que ça va passer first try. Donc c'est parti. Oh,
Ok, donc les gars, pour l'instant, le grip il s'est quand même bien détérioré. Donc là, on peut voir quand même l'énorme trou comme ça. Bon, ça tient, mais à moitié, tu vois. Ça tient plus. Donc, je peux vous dire que sur le parc, ça va être compliqué d'en refaire parce que là, ça commence à être vraiment dangereux. Donc, je pense que ce qu'on va faire, c'est on va finir le grip bien. Et on va le finir en flat, je pense en faisant 2-3 bangers. Je précise encore quand même que c'est des bonbons qui ont été périmés, qui nous ont été donnés par une entreprise de magasin là. Donc les gars, s'il y a 2000 pouces bleus sur la vidéo, peut-être qu'on refera un concept avec, je sais pas, un grip en chamallow, je sais pas, j'ai une bêtise comme ça, genre vous me direz dans les commentaires. Donc, on va passer en flat les gars là, on va détruire le grip en flat là. On va essayer de faire des gros bangers, donc c'est parti. Ok, du coup maintenant on va essayer de détruire le grip, donc on l'a bien utilisé. Donc dans tous les cas, moi je vais mettre un grip sur le deck, je vais pas garder ça. Donc, on va essayer de le détruire et on va voir combien de temps ça prend. C'est bon ? Bon les gars, vous avez bien vu que là ça fait 8 minutes qu'on y est. Bon, vous avez pas vu 8 minutes, mais ça fait 8 minutes que ça tourne. Donc, c'est là le double face, impossible à enlever. Impossible. Là, j'ai mis les mains, j'ai tout mis, c'est impossible. Donc, vous inquiétez pas, le deck, je vais le mettre tout propre. On va bien le nettoyer comme il se doit. Donc, on va bien nettoyer ça aussi, vous inquiétez pas. Hein. On a fini de nettoyer, donc le deck là est archi propre. Donc, ça nous a mis quand même un bon 30 minutes. Mais bon, voilà, vous inquiétez pas, le deck, dans les prochaines vidéos, sera tout propre. Sur ce, j'espère que vous avez bien aimé la vidéo. Donc, dites-moi dans les commentaires un prochain concept similaire, un truc comme ça, on lira tout. Je lirai tous les commentaires, je répondrai à tout dans la première heure qui suit la sortie de la vidéo. N'hésite pas à t'abonner, ça fait super plaisir. Le petit bouton rouge là, bam, tu cliques. N'hésite pas à mettre ton pouce bleu aussi pour nous prouver que vous avez aimé la vidéo. N'hésite pas à follow mon Instagram, il est juste là. On a passé les 100 000 abonnés il n'y a pas longtemps. Sur ce, c'était Cam Scooters. À samedi pour une prochaine vidéo. Ciao!